Scénario. Nos dés sont nos maîtres, nos actions sont leurs vœux. Après ceux de l'absolu maître du jeu, nous sommes les gardiens de l'irréel, les fantaisistes. Nous sommes tout rien. Ainsi arrivera l'ère des rôlistes. Nous sommes en voyage dans tous les univers. Nous sommes en pèlerinage de terre en terre. Nos buts sont divers et dépendent du perso créé. Richesse, noblesse, renommée. Mais tout dépend des dés, de leur choix aléatoire, de leur choix du hasard qui contrôle nos destinées. Ainsi va la vie de nos personnages inventés, de leurs actes supposés, de nos jeux de rôle papier. Car notre venue annonce le temps de jouer du dé, le temps d'inventer, de se relâcher. D'arrêter le train, 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 train quotidien, monde de dragons, de sièges, de balistes. Ainsi arrive l'ère des rôlistes. C'est en des temps bien troubles que je vous parle, et le rôlisme est une pratique ancestrale qui remonte à nos ancêtres des temps celtes. Ne vous laissez pas submerger par tous ces gens, tous ces problèmes. Relâchez-vous, détendez-vous, faites la fête. Le rôlisme, c'est entrer dans d'autres mondes avec ses copains. Alors arrêtez de critiquer, et venez plutôt jouer. Nous sommes passionnés des jeux de rôle. Nous sommes passionnés des trucs drôles. Nous sommes passionnés des jeux vidéo. Nous sommes passionnés des dessins beaux. Nous sommes passionnés du médiéval. Nous sommes passionnés du musical. Nous sommes passionnés, nous sommes passionnés. Nous sommes passionnés du rôlisme. Notre foi ardente en ça nous plonge dans la joie de pouvoir créer, de tout contrôler, d'un monde qui ne tient que dans nos mains. Notre passion est folle et sans fin, que ce soit pour le mal ou le bien, car notre venue annonce le temps de jouer du dé, le temps d'amitié sans se chamailler, d'arrêter les critiques sur le fantastique.